Non, écoute, ici là, on va passer notre message. Demain, après demain, il va y avoir toujours des manifs à Québec. Mais je pense que ce qui se passe à Québec en ce moment, c'est que la Saint-Jean devait être une fête pour tout le monde. Mais les étudiants sont étiquetés. Juste qui tient le carreau, ça ne tue personne. C'est juste notre façon de marquer notre désaccord avec le gouvernement Charest. Et il y a ici les gens pour plusieurs raisons avec nous. Ils sont ici pour manifester contre la loi 68. Ils sont ici parce qu'ils n'approuvent plus les politiques du gouvernement. Mais nous, on est ici aussi parce que nous sommes des étudiants. On trouve que la hausse des frais de scolarité, ça nous touche directement. Mais en ce moment, on va manifester, on essaie de mobiliser les gens. Il y a plein de carrés rouges qui sont au chaud de l'Holocauste. Quand on va se regrouper, on va essayer de passer notre message. La police fait un mauvais travail. On ne sait pas si la police est au service du gouvernement ou au service de la population. En ce moment, on trouve que les policiers font le travail, la job de la bombe. À qui Charest ? À qui Charest ? À qui Radio-Canada ? Juste me dire, as-tu l'impression justement qu'il y a moins de monde parce que les gens n'avaient pas une fausse impression. Non, c'est une fausse impression parce que moi je suis ici depuis 18h. Il y a plein de carrés rouges sur les plaines. Allez voir, c'est aux couleurs. Je trouve, je félicite la population du Québec qui continue à nous appuyer malgré toute la répression, les lois. Nous, écoute, il y a plein de carrés rouges. Tantôt vous allez voir. Nous on est un petit nombre parce qu'on a décidé de ne pas aller sur les plaines pour continuer à faire la mobilisation. Oui, on est là, vous allez nous voir tantôt. Il n'y a pas moins de monde que d'autres journées. Merci. À qui Charest ? À qui Charest ? À démarrer. Allô ? Salut. Ok. Maintenant c'est Kakola, K-A-K-O-L-A. Mon nom de famille c'est Saka, N-S-A-K-A. Merci. Quand on les attend, toi on retourne sur le On s'en va la mettre. Ok. À qui Charest?